Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et nous retrouvons pour le 5ème épisode de Golden Sun sur Game Boy Advance. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais ça va repartir, vous inquiétez pas, c'est juste que j'étais pris, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Donc la dernière fois nous étions au village, voilà, je sais plus le nom, d'ailleurs on va rentrer pour voir le nom. J'ai oublié le nom ça, Volt. Donc dans ce village pour avancer sur notre enquête, voilà, sur notre quête. Et nous avons rencontré des bandits qui avaient volé le bâton d'un grand marchand. Oui, je crois que c'est un grand marchand, maître ami, c'est un grand marchand. Et on a rencontré Yvan, qui est un personnage très important, vous allez voir. Et nous allons continuer notre aventure, mais je pense que nous allons revoir Yvan, sans spoiler trop. En même temps, il est sur la boîte du jeu, donc vous doutez bien qu'il fera partie de l'équipe. Hein. Ça, c'est pas trop du spoil de dire ça, vu que on a les 4 membres de l'équipe dans le jeu. Alors, je sais plus où c'est par contre. Ah, je me fais attaquer par des vermines, ah là là. Allez. On a des petits maris là, avec leur petite fourchette. C'est marrant. Faut vraiment penser au Pokémon Maril, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le dans les commentaires. Enfin bon, bref. Oui, ça fait longtemps, j'aime pas laisser des trous dans la vidéo, mais là il fallait des fois. Il faut faire des petites pauses, hein. C'est toujours important, il n'y a pas le choix. Donc non, c'est pas là. Alors, je vois le lieu à peu près où il faut aller. Alors. Oh, un mort vivant, un zombie. Il est pas beau, il lui manque un œil. Oh non! Hop là. Allez, allez, je vais vous dire, garé, si t'es champion, t'appuies sur le champignon, mais non. On va pas trop leur demander au pauvre Gary, hein. Bon. Alors, ça doit être par là, je crois. Est-ce que c'est là? Oh, mais... Tu vas me laisser tranquille, toi? Voilà, il y a des zombies dans les jeux vidéo, les zombies, c'est à la mode, hein. Jusque dans les RPG comme ça, japonais. Les zombies, il y en a partout dans les jeux vidéo. Entrée de Goma, alors, hop. Ça va avoir une très jolie cascade. Bloop! On pousse le caillou. Allez, hop, hop, hop. C'était pas facile. Alors, là c'est bloqué. Ah. Alors, on va utiliser nos pouvoirs psycho. Synergie quoi, la synergie, tout simplement. Hop. Allez, hop, on va à la petite échelle. Hop là. Alors, on peut pas passer. Non. Comment on va faire? Je crois qu'il y a Yvan qui devrait venir. Ça bloque! Ouah. C'est inutile, notre synergie n'est pas suffisamment puissante pour déplacer cette souche. Ah, c'est une souche, pas un caillou. Voilà, mais qui peut-il bien être? Si, Yvan! Tu déplaces cette souche, pas vrai? On dirait que le lierre la retient. Y a-t-il rien que l'on puisse faire? Oh, et tu sais bien. Je sais. J'ai une bonne idée, laissez-moi faire. Tourbillon. Waouh. Trop fort. Bien joué, Yvan. J'ai réussi. Merci pour le coup de main, mais que fais-tu ici, Yvan? Je n'ai pas pu entrer dans l'Oompa. Ne vous prenez pas, je ne suis pas venu pour vous demander votre aide. Je n'ai pas arrêté de penser à votre mission depuis mon départ de Volt. J'ai tout lu dans vos esprits, vous en souvenez? Eh oui, ça c'était marrant ça. Je ne pouvais pas partir avec toutes ces choses qui arrivaient. Si je peux pas sauver Maître Amé, alors je vais vous aider. Tu es bien sympa, toi, comme garçon. Je vous en prie, laissez-moi venir avec vous. Il va rejoindre votre groupe. Et ouais, on a un petit garçon super balèze, quand même. C'est pas du Justin Bieber, ça. Essayez-vous d'aller à Biblin par cette grotte? Allons-y. Alors, nous avons la capacité tourbillon qui permet d'enlever les petites lières comme ça. Donc, on va, avant de partir dans la grotte, nous allons. Retourner dans la Val,
Parce que je me rappelle, il y avait un petit truc comme ça de lierre. Enfin, je sais pas si on peut l'enlever. On va regarder, attendez. J'ai un doute. On va l'enlever le bout de... Enfin, de buisson, je sais pas quoi, de lierre. Qui est là, on va voir si ça marche à chaque fois. Pour être bien sûr de pas faire de conneries. Oui, parce que l'entrée, elle est là. Et là, faut faire comme ça. Tourbillon. Ok, nickel. T'as fait le ménage, ça. Bon, alors, bon, c'est bien ce que je pensais. On va retourner un peu glisser, là. On va retourner à Val, parce que tant que j'y pense. Hein. On va voir ce qu'il y a dans cette cachette secrète. Je sais plus si c'est à Val. Enfin, bon, on va regarder dans les autres villages avant de partir à l'aventure. Hein, les petits secrets. On prend notre temps dans le jeu. Moi, je prends mon temps quand je fais les RPG comme ça. Faut toujours prendre son temps. Alors... Non. Par contre, je voudrais des repousses. Bon, on est 3, ça va aller plus vite, là. Allez, on fait un peu de la synergie, tiens, pour la classe. Et on fait un tourbillon. Ça fait pas mal, ça fait un peu d'XP, c'est toujours ça. Allez. Pauvre champignon, là. Comment il peut résister à ça, quoi. Allez, là. Alors... Je vais voir dans cette ville, la ville précédente, si on peut... Eh, mais... Non, mais... On va le défoncer sa tronche. Hop Volt, voilà, c'est Volt, on va voir. Après on ira à Val. Finalement les noms se ressemblent beaucoup, les noms des personnages. Vlad, Val, Volt. Oh, je sais pas ce qu'ils ont dans le jeu. Ils aiment bien la lettre V. Bon, ils ont beau goût, vous allez me dire. Bon, j'arrête de dire des conneries. Jouons. Il y avait pas un truc là. Il y a un truc pour sonner la cloche là, mais je sais pas ce que c'est. Qu'il faut faire, je sais plus. Là, il faut un autre pouvoir. Je sais plus comment on fait. Je sais pas si je peux sonner la cloche avec le vent. Je vais voir, on va aller voir. Bon, peut-être que je perds mon temps. Je sais plus s'il faut d'autres pouvoirs ou pas. Hop. Sinon, après, on va à Val et après, on retourne à la grotte. Bon, il y a beaucoup d'aller-retour, mais bon. C'est important. Alors lui il s'envole là. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais comment je passe par là moi? Ah oui, c'est un... On le fera plus tard, ok. Bon, on peut pas le faire tout de suite, je sais que quel pouvoir il faut. On le fera plus tard les amis, donc on va repartir en direction de Val. Trop à Val, je vais faire le truc, mais alors un autre truc qu'on pourra débloquer plus tard, sinon ça sert à rien, mais bon. Donner le cœur net. C'est parti. Oui, on a Val, ouais. On n'a pas sauvé le monde, mais on revient parce que on veut changer nos chaussettes. Ah voilà, il y a des trucs là. Voilà, c'est bon, il y en a plusieurs trucs là. Ok, il y a rien. Alors là, là voilà, on fait juste cantonnier là, hop, on fait le ménage. Non mais oh, c'est quoi ce délire? Ah là, c'est trop, j'ai une grosse bêtise, cantonnier, il coupe pas l'air. Bon là, je sais pas. Bon bref, jardinier quoi. En mode Jardiland. On va voir, c'est fun, hein. J'aime bien comment ça fait. Si on pouvait tondre comme ça. Voilà, il y a forcément un truc là. Va examiner le coffre. Ok, super, du pain. Ouais, c'est... Oh, non, alors c'est quoi ce foutage de gueule quoi? On nous prend. Non mais. On nous prend pour des têtes de frangipane là, c'est pas possible. J'ai fait tout ça pour un bout de pain quoi. Ah là là, bon bref. Eh non mais. Non, je fuis. Hein. Oh non mais. Comment ça quoi? Alors là, ça mérite. Mais alors, le châtiment absolu là. Et puis j'y vais pas dans la demi-mesure là. Bam! Mais attends, on laisse fuir à haut. Je vais me balader tranquille. Ok. Là, je vais me reposer dans l'auberge, ça fait pas de mal. Je fais des petits combats, mine de rien. Oui, on retourne. C'est le retour des vidéos, on prend notre temps. Oui, 12 pièces, allez hop. Ça roule, ma poule. Oui, j'ai bien dormi. Oui, madame. Allez hop. Elle est moche, la carte. Non, mais c'est que ça pixelise. Ça picote les yeux quand même.
Le jeu est magnifique, mais ça picote les yeux, la carte. Mais c'était beau à l'époque. Un bande de sales jeunes, ça. Vous y connaissez rien. Tintin. Bon, hop. Alors, on est dans la grotte. Youpi. Bloom. Bon, tout est... C'est bien, on n'a pas obligé de tout se retaper, tout refaire, c'est pas mal, ça. Alors, on est dans cette grotte, là. Hop, là, c'est parti, Kiki. Caverne de Goma. Alors... Oh, ça attaque. Mais quelle fluidité absolue. Allez, hop. Allez, on va l'avoir. Voilà quoi de dur hein, pour des zombies. Hein. Oh, c'est pas possible. Je vais attaquer que corps à corps. Je peux non plus tout gaspiller ma synergie pour un zombie. Un truc là. Voilà, ça y est, j'aime perdre, j'aime pas ça. J'aime pas les grottes dans les jeux vidéo, ça fait peur. Enfin, c'est pas... Oh, c'est quoi ce machin? Il est stylé. Ah, ici, c'est ennemi. Bon, on va pas sous-estimer. Hop, on passe par là. Haha, les beaux champignons, quoi. Et bah, boum. Ok, il était stylé, mais il était pas très fort. Hop. Ah, on peut pas de là. On ne peut pas d'ici. Ah, il y a un djinn de feu là-bas. Ok, bon, c'était lui surtout qui m'intéressait le plus, je voulais pas le perdre de vue. Ça va être le djinn, ça va être un djinn pour garer ça. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire lui? Vous avez vu quelque chose de bizarre par là? Je l'ai combattu, mais il a fui quand je suis revenu. Je l'ai vu à nouveau. Je me demande s'il aime cet endroit. Il a l'air bien, il a l'air content là. Bon. Alors. Facile. Hop, on met dans le trou. Hop là, Bloom. Donc on va faire un détour. Ah mais oh, un squelette. Ça fait trop jeu vidéo quoi. Oui, on fait fou du feu, nous, on est des ouf. J'adore cet acrygon. Je m'éclate comme un gamin, je sais, non. Tan. Bloom. Du coup, je peux revenir à la première pièce. Je dois faire n'importe nawak. Je peux revenir à la première pièce dans le doute. J'irai là plus tard. Et oh là. Bon, je vais fuir un peu parce que. Je sais plus si c'était en Pokémon, tu peux quoi. Fuir, c'est la lâcheté. Nanana. Mais oh, quand t'es. Oh, ils sont trop stylés, on les éclatait. Bon, des fois, on a harcelé tout le temps, c'est bon. Allô, quoi. J'ai trop marre, là, j'ai des têtes qui brûlent. On dirait des petits shooters flambés. Sympathique. La comparaison tout de suite. Tintin. Écuyer. Mais c'est génial. Eo sage. Je sais pas ce que c'est un Eo, mais ça a l'air trop cool. Alors. Les petits bruitages, c'est magnifique. Non. Oh là, puis les machins verts, je les aime pas ceux-là. Hop. Et oh. C'est bon, vous êtes pas assez bien pour moi. Voili voilou quoi. Ah bah je pouvais rien faire, hein, là, si j'avais exploré un peu plus. Oui je sais, je fais beaucoup d'allers-retours qui servent à rien. C'est pas bien. Je joue naturel, voilà quoi, je suis trop simple, je suis trop naze aussi en même temps. Bon, allez, on va se le faire. Bah, elle est cool ce grotte, elles sont pas déprimantes les grottes ici cela dit, hein. On galère mais regardez les décors dans les combats, c'est chaleureux, hein. C'est sympa. Allez hop, bon là on a fait notre truc, très bien. En même temps, c'est la première grotte du jeu, ils vont pas faire trop compliqué. Hein. Parce que bon, le temple, oui, après il y avait le temple, on va dire. Moins alpha, bon, c'est pas pareil. Ouais, des petites énigmes quand même. Là, je crois plus qu'on va tourner en rond que faire des énigmes. Hop là. Tintin.
Allez, hop, on se le fait. On fait beaucoup, ouais, c'est beaucoup de combats, mais c'est important. Gagner de l'expérience. Même si le jeu par la stratégie, on peut. C'est plus la stratégie que l'expérience qui compte dans le jeu. Mais c'est important quand même. Ça fait. Ça rassure quoi d'avoir de bons niveaux. Alors. Bon, c'est bon là-haut. Non, je voudrais des repousses. Hop là. Hop. On va faire bouger garé un peu. Oh, je bouge jamais le cul. On le pousse. On peut pas. Ok, ça passe pas comme ça. On le déplacera alors. Bloom. Oh, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc de ouf ouf. Hein? Comment? Oula, la musique devient inquiétante. Inquiétante, inquiétante. Oula, mais j'ai du mal à parler, ça. Comme toujours. Bon, toi là, avec tes petites bottes, là, t'es mignon, mais va-t'en. Squelette sexy, quoi. Yvan, il a plus beaucoup de vie, merde, merde, merde. Il attaque toujours le petit, c'est pas sympa ça. Mon petit blondinet. Bon, non, c'est pas ça. Veille, ça veut pas être très intéressant de faire le genre veille, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors. De l'herbe. C'est de la bonne ça. On va soigner un peu tout le monde. Bon, y'a pas trop besoin de garer, c'est bon. On soigne pas, c'est un dur à cuire. Et ça, c'est fait pour quoi ça? Antidote, j'ai rien pour donner les points magiques. Alors. Oh, un porte-bonheur, c'est trop bien. Alors là, je suis l'homme le plus ordure. Je crois que c'est plus ça se porte. Enfin, c'est ça s'équipe. Donner, bah, je sais pas. Ok, ça apporte juste bonheur. Attends, détail. J'en ai un. Ah, ok. Ah, mais je crois que ça se joue plus tard. Dans un casino, on verra ça plus tard. Oui, j'avais oublié cela. J'avais oublié cela, mesdames et messieurs. Eh oh. Bon. Est-ce que ça fait quelque chose ici? Eh non, mais. Oh, les mignons là. On va vous éclater la tronche. Boum. On est trop puissant. On a des pouvoirs de ouf. On déchaîne les éléments. Franchement. Franchement, ce que dans le jeu, les personnages, ils déchaînent les pouvoirs des éléments. C'est trop la classe. Ah, on va attraper notre copain là. Coucou. Ah, on le combat celui-là. Jean de Mars. Donc faut le combattre pour l'avoir. Très bien. Hop, garé. C'est un jean de feu, c'est pour toi. Monte tes pouvoirs de feu. Et lui en faire des tourbillons. Parce que c'est magique. Oh le méchant. Le méchant pas beau. T'as de beaux yeux bleus, tu sais, toi. Non, je voulais pas fuir. Quoi? J'ai raté mon occasion. Attendez. Mais oh là là. Pff, j'ai peur que je le perde définitivement. C'est parce que je me suis trompé de touche, mais n'importe quoi. Oh là là, j'ai failli bouler. La frayeur que j'ai eue. Ha, je me suis tué pendant un moment là. Bon allez, Moi j'appuie. Je dérape sur fuir quoi. Mais allô quoi les gens quoi. J'ai réussi. Alors, Silex, moi aussi j'ai un jean. Il est de Vénus. C'est trop classe cette attaque. Et tourne à Kama. Allez, on invoque toute la puissance de Vénus. Et on peut rien faire. Ça te calme là. Bombe. Ouh. Oh le vilain pas beau. Là ça on galère dans ce combat. Hein. Garé, t'es pas bien là. Herbe. On va vous soigner, vous. Hein. Mais non, j'aurais pas cru qu'il serait aussi fort. C'est bon. Et il est pas content. Et oh, c'est pas un Pokémon, hein, t'aurais pu le capturer. Hein.
Tu l'as eu? Waouh, c'est impressionnant. Ouvre l'œil, tu en verras peut-être d'autres. Salut, Google. Ok, bon. Jean, Forge, bah il en lié. Oui, je le lis à Garé, moi. Parce que c'est son élément, le feu. Bon, eh ben, très bien. Non, je suis déjà... Ah oui, je suis déjà passé par là. Bon, c'est bien. C'était le truc à pas louper, c'est lui. Le Jean élémentaire de feu. Bon, bon, on va l'essayer tout de suite. On va se la péter un petit peu. Ah, lui, ça monte. Ah, ok, ils font pas tous la même chose. Lui, ça va monter des stats. Et ben, lui, on va. Ben, du coup, j'ai pas son égaré, c'est pas bien. Bah, on va les désintégrer. Ok. L'attaque, ça augmente l'attaque, ça pète. Hop. La chaîne Mars. Et nous, on va se protéger, tiens, pour faire le joli. Bon, on se retrouve, Vénus va les désinguer. Tant pis, ça fera pour le prochain combat. Ce qui est bien, pour l'utiliser en prochain combat, l'invocation. Oui. Garé dans la merde là. Tac. C'est bon, bon, tout va bien. Tout va bien, on gère. Eh, j'arrête de me tromper. Eh, mais. Hop. On bouge des cailloux. Eh, ouais, oh. C'est formidable. Et nous entrons à Biblin. Ah, cette ville, elle est très triste. Je sais ce qui s'est passé, moi. Un truc de ouf. Je vais vous laisser là pour cet épisode-ci, hein. C'était le grand retour de Golden Sun. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bien entendu, les copains, les copines. Bon, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.